Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 14 de Wreckers Ground, l'épisode du mois de février 2017. Épisode qui, je l'espère, lui sera publié le bonjour, hein. Pas comme l'épisode 13, n'est-ce pas, qui est sorti au moins 4 ou 5 jours en retard. Mais bon, j'espère que cette fois-ci nous n'aurons pas de problèmes techniques non plus. Nous nous retrouvons ce mois-ci donc sur The Witcher 3 avec l'illustre Geralt de Rive. Et on va pas faire de quête principale, je pense que on n'est pas vraiment là pour ça, on est là pour dégommer des monstres. Donc c'est ce qu'on va faire avec des quêtes secondaires, je pense. Oui, des quêtes secondaires, j'y mets le ton, j'essaie d'être un petit peu théâtral. D'autant plus que vous l'avez vu, je suis en compagnie de Priscilla, qui est donc une barde et qui est donc la petite amie de ce bon vieux Jasquier, l'ami de toujours de Geralt de Rive. Alors est-ce qu'on peut se faire peut-être des petits contrats, à moins que j'ai déjà tout fait? Parmi les niveaux qui étaient à ma portée, je pense que oui. Alors peut-être au niveau des quêtes secondaires. Ah, peut-être une petite quête secondaire avec Triss. Ouais, ça peut. C'est tentant. J'avoue que c'est tentant. Sinon, on a effectivement les gangs de Novigrad. Ouais. Non, j'ai retrouvé Triss Merigold à sa planque. Oui. Dans tous les cas, il faut retrouver Triss. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La statuette du noble. Après, on aura peut-être le temps de faire l'autre quête. Donc, parlons à Triss, qui se trouve pas très loin, donc on va se dépêcher. Pourquoi as-tu sauté, Geralt? Ah, j'ai dû appuyer sur B sans le faire exprès. Ok. Je me dis, mince, il fait quelque chose que je ne lui ai pas demandé, c'est terrible. Ah, alors, pour ceux qui se demandent, je suis sur Xbox One, hein, mon PC n'est absolument pas apte à faire tourner The Witcher 3. Surtout pas, je pense que si je tentais le coup, il serait en train de mourir, très clairement. Parce que je suis sur PC portable, hein, pour tout ce que je fais en fait. Le seul PC fixe que j'ai entre guillemets, c'est chez mes parents, hein, donc voilà. Donc pour certains jeux ça passe, mais pour des jeux récents et aussi beaux que par exemple Witcher 3, non, ça passe pas, c'est pas possible. On va voir Triss, on va bien voir quelle quête se déclenche. Ouais? Vous voulez quoi? Je cherche Triss. J'ai bien dit pourtant, pas d'animaux, pas d'hommes. C'est une bonne maison ici, pour les honnêtes gens. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. Ah, il y a une quête juste derrière. Ah oui, je sais ce que c'est, bon... Je sais ce que c'est parce que j'ai déjà vu des let's play dessus. Je sais que ce petit garçon n'est pas si innocent qu'il en a l'air. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la quête ou les quêtes que je peux faire avec Triss. Bon, on va se dépêcher quand même parce qu'on n'est pas rendu. Donc, Triss qui se... Je peux te parler? J'ai un petit problème. Oui, pas de problème. Alors, je pense que pour la statuette, faudra attendre. Oui, Geralt. Ah, j'ai le choix. Bon. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie de lui demander de l'aide? Ou de lui proposer mon aide? Étant donné qu'elle me l'a demandé. Ah, je pense que c'est plus raisonnable de lui demander... attendez, je crois que ça... Est-ce que c'est pas la quête qui nous permet de... Oui, parce que j'ai pas parlé du contexte, hein. C'est vrai que pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, je suis à Novigrad, hein. Vous avez certainement reconnu la ville. Et à Novigrad, c'est le feu éternel qui domine, et le feu éternel, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'univers du sorceleur en général, que ce soit dans les bouquins ou dans les jeux, mais disons que le feu éternel, ils aiment pas trop tout ce qui est créature non humaine, tout ce qui est nain, elf, surtout les elfes. Et donc, bien sûr, dans Witcher 3, à Novigrad, le feu éternel se met en tête de brûler des sorcières, entre autres, et des dopplers, et bref, toutes sortes de créatures magiques, non humaines notamment, hein, mais principalement magiques, hein, pour commencer. Oui, parce que c'est mal. Donc, finalement, je vais peut-être opter pour aider la charmante Triss, parce que si vous me posez la question, Triss ou Yennefer, je vous réponds Triss. Voilà, comme ça, le débat... on peut relancer le débat si on veut. Bon, on va aider Triss. De quoi voulais-tu me parler ? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé? Un domestique d'Ingrid Vegelbod.
Apparemment, Madame Vegelbaud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire ? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Elle me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique ? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censé lui demander le prix de la truite. C'est le code. D'où vient cette idée ? Qui a eu cette idée ? Le domestique ou Ingrid Vegelbaud ? Ingrid, à mon avis. Les demoiselles de bonne famille raffolent des romans d'aventure. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Voilà, bon, finalement, effectivement, on a opté pour la quête pour Edetris. Alors, je pense pas que ce soit là qu'on l'aide à s'échapper de Novigrad. Hop là, attention aux marches. En plus, la maison est penchée. C'est un petit peu dangereux, effectivement. Monsieur, dame. Ah, c'est pas là la sortie. Mais en même temps, la porte est barricadée. Hein. Mais j'ai quand même essayé de sortir. Quoique, attendez. Parce que c'est vraiment barricadé. Oui, moi je dirais que ce sont des planches qui sont clouées à la porte. Hein. Parce que la porte est pas vraiment clouée à autre chose. Hein. Mais bon, passons. Retrouvons le domestique d'Ingrid Vegelbaud. D'accord. Et demandons le prix de la truite. Ah, c'est un bon code, hein. Hey, mon mignon. Je dois faire quoi pour avoir la valeur de revenant ? Mourir. Pour toi, mourir. Ou mettre beaucoup de poudre. Ça peut marcher. Mais sinon, c'est vrai que mourir, ça ferait plus naturel. Bon, tu serais un petit peu mort, mais bon, si tu veux vraiment le résultat, faut être prêt à tout, hein. Bon. Beaucoup de tuniques bleues. Intéressant. Ouais. Comme par hasard. Oh là, citoyen, quel est le prix de la truite ? Bonjour. Ouais. Vous savez où on peut trouver de la truite fraîche et pas chère ? Ouais ? De la truite ? La truite ! C'est le poisson préféré de la meunière. J'avais compris. Merci. Bon, c'est pas lui. Vous, là. Ah, vous avez un gros trousseau de clés. Ah bah oui, le trousseau de clés. Où avais-je la tête ? Oui. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer ici. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte de... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. Voilà, c'est ce que j'aimais entendre. Ouais. C'est quand même classe d'avoir cette belle armure et d'avoir une grosse voix pour impressionner. Ah, je sais pas si je dois vous emmener là où je dois vous emmener. Écoute, tu vas sagement m'emmener là où tu dois m'emmener et je vais te défendre. Ah mince. Hop là, attendez, je retrouve la touche pour parer et c'est bon. On se calme, messieurs, on se calme. Oh, la petite incinération qui fait plaisir. Toi, tu meurs. Non, tu étais confus, tu ne pouvais pas esquiver. Ne restons pas ici. Bon, je vous suis.
Qu'est-ce qu'ils vous voulaient ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte. Un instant. Où est Dame Marygold ? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais Dame Vegelbud m'avait dit que... Oui, qui êtes-vous au juste ? Bon, il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes. Vous ne croyez pas ? Je suis le valet de Dame Vegelbud, messire. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Mais pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer ? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et s'est venu aux oreilles de la garde du temple. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Ah ouais, ils aiment pas trop les alchimistes non plus. Est-ce que ça m'intéresse de savoir comment ils ont trouvé Triss ? Ouais, peut-être quand même. Comment Ingrid Vegelbud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss ? Nous avons appris que Dame Marygold avait aidé Mirabès à échapper aux chasseurs de sorciers. Mira avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses afflictions. Oui, c'est plausible. Mira m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Donc on peut lui faire confiance. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement ? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censé l'aider à s'échapper, c'est ça ? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés. Bonne idée, mauvaise idée. Moi, je dirais que c'est une bonne idée. Hein. C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Vegelbud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de rose bleues, de nazaires caramélisés. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, oh, comme j'aimerais voir tout cela. Vous pensez que tout ira bien, bah, y a toujours un risque, mais bon... on va venir avec Triss, bah, évidemment. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi ? Évidemment. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu ? 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. 3. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence ? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Oui, on peut y aller tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Tu plaisantes, Gérald ? Nous devons nous préparer, nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elial. Tu connais ? Oui, je connais. Elial est un ami de Jaskier. Des masques et rien d'autre, assure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. Le pauvre. Ouais, il aime pas du tout les pourpoints, il préfère les armures. En parlant d'armure, vous pouvez remarquer que j'ai toujours la même armure qu'au début du jeu. Alors, c'est pas exactement la même. On a l'occasion de l'améliorer un petit peu chez le premier forgeron. Même, moi, je crois que le plan est déjà connu de base. Hein. On peut améliorer l'armure. Alors, par contre, pour les épées, je suis un peu plus raisonnable. Hein. J'ai,
J'ai changé d'épée assez régulièrement. Alors l'armure, c'est pas l'armure du début, c'est juste l'armure... C'est la veste en cuir de guerrier. Bon, du coup, c'est pas une armure très très très... C'est pas une armure très bonne en fait, hein. elle est pas super résistante, elle est pas super... Elle protège pas énormément. Mais disons que c'est un petit caprice que je me fais, j'ai envie de faire l'aventure avec tout le temps la même armure, les mêmes bottes, les mêmes gants et le même pantalon. Voilà. Bon, après pour les épées, c'est autre chose, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a devant le visage de Geralt? Serait-ce un bug? Je pense que c'est un bug. Bon, là je pense que j'ai lancé une quête qui était assez longue. Donc, on va faire la route, et pendant ce temps-là, et c'est ça que j'ai oublié d'ouvrir, je vais donc ouvrir mon petit bloc-notes et regarder les questions que vous m'avez posées pour cet épisode. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Ça tombe bien, ça en fait 4. Voilà. Donc, on va faire le chemin, on va peut-être pas aller jusqu'au bout de la quête. Peut-être pas jusqu'au bout, mais bon, au moins, on va répondre aux questions, et puis si on a encore... si j'ai encore envie de jouer après les questions, eh ben je répondrai encore... Une fois j'aurai... Kev, calme-toi. Une fois que tu auras répondu aux questions, tu pourras, si tu veux, continuer à jouer pour aller le plus loin possible dans la quête. Alors, première question, elle est de Mec du 45 Nib, ou est-ce que je dois dire NYB, vas-tu faire une nouvelle chaîne secondaire? Alors ça, je pense que c'est une question qui vient de quelqu'un qui me suit depuis très longtemps, parce qu'il y a plusieurs années maintenant, j'avais fait une chaîne secondaire, juste pour publier quelques courtes vidéos, genre des espèces de petits bêtisiers quand j'enregistrais mes vidéos, genre les ratés, ou alors quand je jouais en multijoueur sur un FPS, comme ça, pour avoir des petits moments rigolos. Et j'avais voulu la supprimer il y a plusieurs années, sauf que je ne sais même plus comment y accéder, donc en fait, elle a totalement été laissée à l'abandon, et ça fait très longtemps. Et donc, pas de chaîne secondaire prévue. J'avais hésité à une période entre le faire ou pas, dans le sens où avoir deux chaînes m'aurait peut-être permis de faire du catch sur ma chaîne principale et mes autres let's play et donc d'autres choses, des petites vidéos comme ci, comme ça, donc sur une chaîne secondaire. Mais finalement, bon, ma chaîne, c'est du catch et autre chose à côté, ça a quasiment toujours été comme ça. Donc je pense que c'est très bien, donc j'avais pas spécialement envie de gérer deux chaînes. Voilà, ma chaîne c'est moi, c'est tout ce que je propose, donc ça peut avoir l'air un petit peu fouillis. Mais bon, vu que depuis très longtemps je fais ça comme ça, je vais garder ça comme ça. Bonjour Elial, j'ai répondu à la première question. Quelle est... Salutations, on vient admirer ma collection printemps-été. Et voilà, quelle est ton offre? Mais ton offre en termes de masque en fait. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. Merci, vous êtes bien aimable. Donc on a des masques. Alors le masque de renard, c'est pour Triss. Ah là, ça coûte pas cher, c'est cool. Et je vais prendre tous les autres, même si mon choix est fait, je vais prendre le masque de loup, bien sûr. Ah bah, loup blanc quand même. Et je prends bien sûr le masque, puisque le let's play que j'ai vu sur Witcher 3 était celui de Bob Lennon, qui nous a fait tout un délire avec son masque. Adieu. Ou devrais-je dire son masque? Bref, ceux qui ont vu ce let's play savent de quoi je parle. Alors apportez le masque de renard à Triss, enfilez le pourpoint, le pantalon et la paire de bottes que vous venez d'acheter à l'instant. Elial, on n'a pas tout à fait fini, c'est vrai que j'ai oublié le pourpoint. C'est un acte manqué. Salutations, on vient admirer ma collection printemps-été. Non, je viens acheter un pourpoint, parce qu'on m'a obligé. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche. Oui, merci. Enfin, pas seulement le pourpoint, le pantalon et les bottes qui vont avec. Cela dit, je pense que j'ai des... Oh, tunique de Skellige. Oh, il y a même des tuniques de Skellige. Cool. Pourpoint de courtisan élégant, mais j'ai des trucs comme ça, moi, dans mon coffre. Mais bon, je pense que pour le bien de la quête, il serait mieux que j'achète tout chez lui. Pantalon Nilfgaardien, culotte de Skellige. Ah, en fait, j'ai le choix, quoi. Je dois venir habillé, mais je peux faire ma victime de la mode, en fait. Je peux essayer plein de trucs.
Souliers Nilfgaardiens. J'ai pas tellement envie de m'habiller à la mode de Nilfgaard. Peut-être un petit peu de couleur avec du bleu. À la tunique de Skelly, c'est pas mal. Bon, ça me fait dépenser des sous, mais c'est pas mal. Pantoufles festives de Skelly. Ma foi, pourquoi pas. Culotte de Skelly. Bray de Skelly. Allez, va pour Skelly. Cela dit, après, les souliers, ça peut être pas mal. C'est vrai que les pantoufles, je sais pas. On va prendre ça, on va prendre ça. Ah, la chemise aussi, ça peut être pas mal. Une chemise, ça convient, non? Ouais, mais une tunique, c'est quand même plus beau. Ah, mais Triss voulait un pourpoint, elle voulait pas une tunique. Oh, bon, j'hésite entre celui-là et celui-là. On va faire plaisir à Triss. On va porter un pourpoint. Adieu. Alors attendez, la deuxième question arrive. D'abord, je m'habille, s'il vous plaît. Hein, voilà. C'est important de plaire à sa belle. Alors, ça, ok. Ok, ah, j'ai... Mince. J'aime bien celui-là. C'est un petit peu moins chargé, c'est un peu plus sobre. Voilà. Ah sinon, tiens, par curiosité, la tunique de Skellige, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal quand même. Bah, je garderai ça quand j'irai sur Skellige, tiens. Ok, est-ce que les gants, c'est bon ou pas? Ouais, je pense que ça passe avec les gants. Ouais, je peux porter des gants. Oh, je peux peut-être les enlever aussi. Ça fait quoi sans gants, par exemple? Sans les gants. Oui, allez, ça conviendra très bien, allez. Voilà, on va faire plaisir à Triss, voilà. Il est tout beau, Geralt. Bon, je l'ai jamais rasé, je l'ai jamais coiffé. Parce qu'il est bien comme ça. Il est très beau. Alors, deuxième question, parce que je suis très lent. Après tout, je prends le temps que je veux. Hein. Après tout, on passe le temps qu'on veut sur Witcher 3. Il n'y a pas de problème. Alors, question d'Enzo Di Vittorio. Feras-tu des vidéos sur Maiden ou UFC? Alors, Maiden, je pense que ça n'arrivera jamais parce que je connais très très peu de choses au football américain. Bon, je connais... Bon, grosso modo, les règles principales. Mais disons que je ne suis pas un passionné de football américain, ni un grand amateur, c'est juste... voilà, je connais, c'est tout. Donc je pense pas que je ferai des vidéos dessus, parce que ça me branche pas plus que ça. Et quant à l'UFC, c'était d'actualité il y a un certain temps, mais on ne peut même plus se rendre auprès de sa belle sans avoir un bandit à pourfendre. Meurs, vil gredin. Que dis-je? Brûle. Et toi? Attaque. Mince. J'ai raté ma parade. Vas-y, attaque. Ose. Voilà. Bon, sur ce, je vais retrouver Triss. Non mais... Tout va bien. Alors disais-je, pour l'UFC, oui, c'était d'actualité il y a un certain temps, mais j'ai pas été voir les prix des jeux, parce que j'avais pas acheté le dernier UFC, parce qu'il était encore un peu cher pour moi. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour oui, mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Donc on va retirer toutes les armes, parce que nous ne sommes pas là pour nous battre, nous sommes là pour sortir. Donc apportons le masque de renard à Triss. Partout, attention ! Il va peut-être finir par s'installer chez lui, ce serait pas trop tôt. Bah, si vous voulez, moi. C'est vrai qu'elle les met en danger aussi, hein, si quelqu'un la trouve ici. Alors. Oh! Tu as pris ma requête très à cœur. Quoi? Tu n'étais pas sérieuse? Je peux encore me changer si... Surtout pas! Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Tu as appris quelque chose sur Albert? Non, aucun mage ne le connaît. À mon avis, c'est un amateur. Je ne comprends pas tout cet intérêt pour lui. La garde du temple, les chasseurs... C'est une proie facile. Raison de plus pour l'aider.
Tout est prêt. Allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillé. Cette saloperie de pourpoint me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Assure-toi, je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon, on peut y aller ? Mettre le masque de loup, bien sûr. S'il y a que ça pour faire plaisir à Triss, il n'y a pas de problème. Bon, cet épisode risque de durer, mais ça me dérange pas tant que ça, finalement. Au début, je me disais, ouais, des petites phases de gameplay de, allez, 15-20 minutes, ça va. Bon, là, on a largement dépassé les 15-20 minutes, hein. Et on a encore deux questions à venir. Mais vu qu'on risque d'avoir pas mal de cinématiques, je vais peut-être me taire et on va mettre les questions, les deux dernières questions à plus tard. Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Vegelbud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Vegelbud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Naturellement. Oui, bah oui. Ce serait un peu encombrant, quand même. Et comment il a su, d'ailleurs ? Elles sont rangées dans ma poche de héros de jeux vidéo. Très bien. Bonne soirée à vous. C'est surtout pour pas se faire repérer. Hein. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Mais comment est-il ? Bah, content que ça te fasse plaisir. L'avant-dernière question, est-ce que j'y réponds vraiment ? Parce que j'avais parlé d'une série, enfin, d'une... Ah, pardon, je me tais. Cinématique. C'est comme ça que tu traites tes amis ? Tu les ignores ? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer les grandes dames maintenant. Mais avant que le baron Édouard je sais plus quoi te sorte du caniveau, t'étais qu'une vulgaire. Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui ? Un nouveau ? Il est choisi de plus en plus vieux, dis donc. Tarif augmente en fonction de l'âge, j'imagine. Ce mec mérite une bonne raclée, mais je pense que vu la mission qu'on a, on va pas faire de vagues. Allons-nous-en, Triss. Inutile de faire un scandale. Viviane ! Hé ! T'es plus aimable quand t'étais encore au passiflore. On peut le frapper après la mission. Répugnant personnage. Citoyen noble, c'est ça ? C'est noble ? Non, citoyen riche, ouais, parce que noble, je l'aurais bien ri quand même. Bon. Je me fais vieux. Alors, je m'arrête un tout petit peu quand même que je réponde à l'avant-dernière question. 619RM, alors, qui réagit par rapport à ce que j'avais dit dans l'épisode précédent. Vous le savez peut-être, mais... Bon, j'aimerais bien refaire des vidéos avec ma sœur Lumi Spade, et je vais parler d'un jeu qu'on aimerait bien faire ensemble, en vidéo... Et qu'on avait déjà fait d'ailleurs sur sa chaîne, et 619RM m'a demandé la surprise ne serait-elle pas Fire Pro Wrestling sur donc Xbox 360. Eh bien oui, j'avais même précisé ouais, que c'était sur Xbox 360. Eh bien oui, normalement on aimerait bien refaire une vidéo sur Fire Pro Wrestling, et c'est en cours de discussion encore. On essaie de trouver un petit moment pour faire ça tous les deux, mais bon, Lumi Spade est parfois assez occupé, donc voilà, on va essayer de faire ça. Et si on arrive plus tard à faire d'autres vidéos sur d'autres jeux, ou même sur Fire Pro Wrestling, hein, c'est pas un souci, effectivement, ce serait sympa. Donc déjà, pour commencer, on vise Fire Pro Wrestling, ce serait un bon début. Et donc, on continue. On continue à jouer sur Witcher 3 avant la dernière question. C'est cool, non ? Moritz ? Que faites-vous ici ? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de là-haut. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différends de côté pour le moment ? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad ? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Ok, fais ce que tu veux. Apparemment, tu sais ce que tu fais.
me joindre à vous. Et qui est-ce vous, au juste ? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerez ? Pardonnez-moi, Marigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Qui était-ce ? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diefenthal. Je te raconterai plus tard. Oui, bah je l'aime pas, même si j'ai pas cliqué sur le... Enfin, cliqué. Même si j'ai pas choisi l'autre option, je l'aime pas. Hein. Il était pas très aimable avec Triss. Hein. Bon, Moritz, retourne dans ta cage, méchant garçon. Ceci est une référence à un jeu vidéo sur PS2, Crash to Insanity. Avec Dr. Cortex qui avait dit qui avait ces deux petits oiseaux et qui il leur disait « Victor, Moritz, retournez dans votre cage, méchant garçon !» Voilà, petite histoire. D'ailleurs, c'est un jeu que j'ai... Oui, explorons les alentours, si tu veux. C'est un jeu que j'ai failli faire en let's play, mais j'avais plutôt opté pour Spyro, A New Beginning, à l'époque. Mais ça peut peut-être... Ouais, ça peut être un jeu sympa à faire pour les épisodes de Wreckers Ground. À méditer. J'ai vu qu'il y avait une quête par là, ça concerne du Gwent. Ah! On se fait un petit peu de Gwent. Bon, de toute façon, l'épisode est parti pour durer, donc bon, hein. Maintenant que c'est trop tard, autant continuer. Ah, un autre joueur. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vanon vient de quitter la table, et je doute qu'il revienne de sitôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer ? Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Très bien. J'adore le Gwent. Allons-y. Donc oui. Et bah du coup, ça va me permettre peut-être tranquillement de répondre à la dernière question et de continuer à jouer après. Oh, formidable. Bon, je joue toujours avec les Royaumes du Nord. Ça me paraît être raisonnable. Alors, pour la dernière question, avant de commencer la partie, vraiment... je ne sais plus qui m'a posé la question, alors j'ai lu le commentaire, je crois que c'était un commentaire sur YouTube, ou peut-être, je sais même plus en fait, peut-être que c'était sur Facebook, peut-être que c'était aussi sur Twitter, je ne sais plus. Mais c'était une question, bon, bah, que j'ai retenue, donc autant l'intégrer à l'épisode. Donc, je ne sais plus qui m'a posé la question, mais ça peut intéresser du monde, je pense. Alors j'ai essayé de l'écrire à peu près comme je m'en souvenais. Je ne sais pas si c'est l'intitulé exact tel que la personne me l'a écrite, mais bon, un intitulé. Donc la question est la suivante. Comme tu comptes reprendre un abonnement Xbox Live Gold, hein, je l'ai encore exposé tout à l'heure, pour jouer avec ta sœur Lumi, vas-tu aussi jouer avec tes abonnés ? Eh bien, déjà, si je pouvais jouer avec ma sœur Lumi, ce serait pas mal, parce que elle, certes, est pas mal occupée, mais moi aussi un petit peu, parce que... Bah déjà, j'ai pas mal de séries en cours, justement, j'aimerais finir des séries, bon, pas rapidement, hein, je vais pas non plus bâcler mes séries, mais j'aimerais bien les finir dans un délai plutôt raisonnable, pour ensuite, déjà me libérer du temps, en fait, c'est surtout ça. Et j'ai beaucoup de cartes, pas terrible, là j'ai pas un deck super terrible, donc j'aimerais... Donc notamment, parce que c'est bientôt fini, finir le let's play sur Alice, donc Alice Retour au Pays de la Folie. Finir la série sur YouTuber's Life avec Xavier le Musicien, bon c'est une série que j'ai un petit peu laissée de côté, c'est vrai que je suis pas trop occupé. Tout ça pour me libérer du temps, pour avoir un petit peu plus de temps à consacrer à d'autres séries, pour pouvoir éventuellement faire des montages un petit peu plus complexes si j'ai envie de le faire, hein, notamment sur ma carrière sur WWE 2K17. De temps en temps, j'aime bien faire des petits clips promotionnels juste parce que j'ai un petit peu de temps et parce que je trouve ça rigolo. Donc ça peut être... Déjà, ça peut m'aider à faire ça. Il y a également la série sur le mode univers que j'ai un petit peu de mal à avancer parce que je suis pas très très rapide. Pour les faire, c'est vrai que je passe déjà pas mal de temps à faire d'autres vidéos sur d'autres séries. Et dans pas longtemps, je devrais faire un stage. Donc ça me paraît un petit peu tendu. Donc un stage pour mes études, hein, bien sûr. Donc ça me paraît un petit peu tendu quand même pour prendre du temps pour jouer avec vous. Parce que voilà, du coup, j'ai déjà pas mal de choses avec la chaîne.
Et bah surtout en fait quand je fais des mises en ligne, les mises en ligne durent assez longtemps et ça me bloque en fait pour jouer en ligne. Alors déjà c'est pour ça qu'on se tient au courant avec Lumi, c'est pour qu'on puisse se dégager un moment, que je puisse me dégager un moment où je ne ferai pas du tout de mise en ligne. Et donc m'adapter en conséquence, genre faire les mises en ligne bien avant, donc prendre de l'avance sur peut-être les vidéos qui doivent sortir ou les faire après hein, éventuellement. Donc histoire voilà d'avoir la connexion libre pour pouvoir jouer en ligne, parce qu'une fois que je fais dès que je fais une mise en ligne, pour jouer en multijoueur, c'est un petit peu compliqué parce que la connexion est prise par les mises en ligne. Donc je ne vais rien vous promettre, donc je sais pas si ce sera possible, mais j'aurais tendance à dire que ce sera pas tellement possible. D'autant plus que moi je suis pas tellement un joueur en multi, donc c'est vrai que quand c'est ma sœur, bien sûr ça passe, mais jouer avec des inconnus, c'est vrai que bah, ça me branche un petit peu moins pour être honnête. Donc je ne promets rien, mais bon, on verra bien comment les choses évoluent. Et comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber cette manche ou est-ce que je... Oh, allez, on va jouer Kira. Allez. Je vais pas te laisser gagner cette manche aussi facilement. Bon, finalement, je vais peut-être te laisser gagner cette manche. T'as joué un héros, tant mieux pour toi. Voilà. Donc j'ai perdu la première manche. Bon, cela dit, c'est pas mal qu'il ait joué sa carte de héros. Comme ça, il la jouera pas pour les tours suivants. Il a dû s'exposer. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer l'espion, c'est ça? Ouais, il joue l'espion. Pour piocher deux cartes supplémentaires. Alors maintenant, je crois qu'on a fini avec les questions. Parce que j'ai rien d'autre à ajouter sur les différentes réponses que j'ai pu apporter. Et on va donc pouvoir continuer. Alors malheureusement, je ne pourrais pas reprendre l'espion. Donc, je vais jouer la stratégie qui donc est censée amener mon adversaire à genoux avec les armes de siège. Alors, s'il sort une carte... Oh purée, encore quelqu'un qui vient du cimetière. Alors, s'il sort une carte terre brûlée, je suis mal parce que les cartes que j'ai mises sur le terrain sont les plus puissantes en dehors des cartes héros. Les cartes de héros sont insensibles aux effets spéciaux, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles. Et là, j'utilise ma carte de chef, qui me permet de doubler la puissance de mes armes de siège, en espérant qu'il n'ait pas de terre brûlée. Apparemment, il n'a pas de terre brûlée, donc c'est bon, ça passe. Le truc... je pourrais doubler la puissance de... Allez, on va jouer Deathmold. Que j'aimais pas trop dans le deuxième Witcher. Hein. C'était pas un personnage et qu'on pouvait faire confiance. Hein, Deathmold. Pas du tout. Alors là, il joue bien en face parce qu'il m'oblige à jouer. Parce que là, j'ai pas le choix. Hein. Si je ne joue pas tout ce que j'ai pour gagner la manche, je suis fichu. Ouais, il m'oblige vraiment à tout jouer. Hein. C'est ce que tu vas la lâcher cette manche ou pas? Voilà. Parce qu'après, rien, si j'arrêtais de jouer, rien ne me disait qu'il n'allait pas réussir à me battre dans cette manche. Donc il a très bien joué, il a vraiment essayé de me forcer à jouer jusqu'au bout. Et j'espère que j'aurai une carte... Ah, ça, ouais, c'est bon, carte d'espion, ça va. Ça va me permettre de piocher deux cartes. Et j'espère que j'aurai la carte qui me permet de ressusciter d'autres cartes. Ce serait cool. Aïe! J'ai un trébuché. Ah bah t'as plus rien! Ah d'accord, il a tout joué lui aussi. Ah bah il a pas très très bien joué finalement. Donc je joue le trébuchet. Et c'est dommage parce que j'ai pioché une carte lore mais elle va pas me servir sauf s'il joue un espion par exemple. Et parfait, pour la peine, je double la puissance de mon trébuchet et c'est terminé. Ça ne sert à rien bien sûr, j'avais déjà gagné la partie. Voilà, parfait. Alors c'était mon premier adversaire quand même. Une autre partie? Oh mais il quand va. Madame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Votre prochain adversaire est le comte Gomo Siling. Son père a perdu au jeu le domaine familial dans la vallée du Nimnar. Et comme on dit, tel père, tel fils. Cela dit, ne le sous-estimez pas. Un homme désespéré est un homme dangereux. Alors, j'irai voir ma collection de cartes après.
Quoique je peux l'avoir maintenant. J'ai gagné Milva. Oh, ça tombe bien, j'adore ce personnage. Alors, personnage qui n'apparaît que dans les livres, à ma connaissance, parce que j'ai pas vu de vidéo sur les DLC. Alors, Milva, elle est pas dans le Royaume du Nord, elle doit être du côté des Scoia'tael. Non ? J'imagine. Ouais, Milva. L'archère. Cool. À chaque flèche que je décoche, je pense à mon père. Il serait fier, je crois. Une très bonne archère. Hein. Donc, personnage qui apparaît à partir de... du livre 4, si je dis pas de bêtises, niveau 3 au livre 4. Et qui accompagne Geralt pendant très longtemps d'ailleurs. Jusque dans le 7ème bouquin, je crois. J'ai pas fini le 7ème bouquin. Hein. C'est vrai que j'avais pu évoquer les livres que je lisais. J'ai toujours pas terminé le 7ème livre du Witcher. Enfin, du Sorceleur pour le titre des livres en tout cas. Bah c'est parfait. Commençons la partie. Ah, je suis content. Une carte que j'apprécie. Alors, déjà, 2, c'est beaucoup. Sonnerie de la charge, ok. Régis, le magnifique Régis. Hein. Un allié de poids pour les aventures de Geralt. Chila de Tancarville, on va peut-être l'échanger. Parfait. Nickel. Est-ce que je balance tout de suite mes mecs à la première ligne? Je pense comment ils s'appellent déjà, ces mecs-là. Commando des stribleux, c'est ça. Commando des stribleux. Est-ce que je claque tout de suite l'espion? On va claquer l'espion tout de suite. Ah, j'ai obtenu... Ah, d'accord, un autre commando des stribleux. Et un leurre, ça peut servir. Alors, je vais les jouer tout de suite. Ok, on a le prince Stenisman que j'ai joué tout à l'heure. Que je vais donc pouvoir récupérer. Ah, l'elfe mystérieux. Là, je ne pourrais pas le récupérer. Oui, c'est Stenis, hein, c'est vrai. C'est le prince Stenis. J'ai dit une bêtise. Mais c'est la blague de Bob Lennon aussi. Il a dit Stenisman. Bon, bref, c'est le prince Stenis. Vilain Bob, tu m'as induit en erreur. J'ai vu tout ton espèce Witcher 3, du coup tu m'influences. Il m'entraîne dans ses bêtises. Espèce de coquin, va. Alors attendez, je réfléchis un tout petit peu. Donc il est à 10, je suis à 4. Je pourrais jouer un autre commando d'Estrie Bleue, mais ça me paraît... Je vais peut-être tenter le coup, c'est quand même... C'est seulement une carte à jouer, donc je vais juste la jouer. C'est bon, j'ai gagné la partie. Enfin, la manche en tout cas. Je vais piocher une carte, et avec un petit peu de chance, ce sera une carte qui me permettra de ressusciter un de mes commandos. Pas du tout. Une sonnerie de la charge. Ça peut quand même servir. Alors, c'est à moi de jouer. Bah écoutez, on va tenter d'étouffer notre adversaire avec... la stratégie du siège. Les catapultes, les trébuchets, les balistes. En fait, je peux limite jouer ça et dire c'est bon, j'ai fini de jouer. Parce que là, c'est 12, 20, ça me fera 40 points. Alors va dépasser 40 points. Ça me laissera aussi... Yevin, je l'aimais pas trop. C'est dans le premier ou dans le deuxième qu'on voit Yevin? Parce qu'il y avait un elfe dans le premier que j'aimais pas. Les Scoia'tael dans le premier, ils étaient pas tellement honnêtes. Il y avait un mec du... Bah tiens, justement, j'ai la carte sous les yeux. Siegfried, il était vachement sympa. Il appartenait certes au temple, enfin au feu éternel. Enfin, il était dévoué au feu éternel, mais il était sympa. Bref, j'utilise ma carte de chef. Bon, j'aurais pu directement utiliser une des deux cartes de sonnerie de la charge, mais bon. Ah, tu vas pas avoir trop de mal à battre mon score. Je vais garder quelques cartes sous la main quand même pour la dernière manche, parce que mine de rien, j'ai que 14 points, sans compter les choses qui permettent de doubler
qui me permettent de doubler la force de mes troupes. Oh la purée, ça y va, hein. Bien joué. Parce que du coup, le prince Stennis a été joué, il va au cimetière. Je pourrais pas le récupérer à moins d'avoir une carte qui me permette... Bah non, je peux plus repiocher de carte, c'est fini. Ouh là, attention. Escamourchornin. Escarmouchornin, pardon. Bah là, malheureusement, je vais pas avoir trop le choix. Je vais devoir balancer tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, c'est pas grand-chose, quand même. Plus torrentiel. Ah, je sens que l'adversaire n'a plus grand-chose. Parce que là, du coup, j'ai plus que 28 points à jouer. Vu que j'ai quand même les sonneries de la charge. Aïe. Une carte héroïque. Oui, parce que si je balance le brouillard, cette carte ne sera pas affectée. Donc je peux aller que jusqu'à 28. Donc ça veut dire que je suis mal. Alors je peux balancer le brouillard. Mais j'attends que mon adversaire joue un petit peu ses cartes. Terre brûlée. Oh la vache! Non, j'ai perdu! C'est fini. Ah, je suis dégoûté. Oh, la terre brûlée qui vient faire mal. Guérisseuse. Ouais. Oh la vache, elle ressuscite Milva. Bon, c'est carrément fini. Hein. Même si je joue le brouillard, c'est fini. Parce que ça fait 13... 13 plus 9, ça lui fera 22, alors que moi j'ai que 8, alors voilà quoi. Bon bah, brouillard impénétrable, hein, juste pour la forme. Et j'ai perdu. Attends, 23? Ah oui d'accord, parce que, oui d'accord, il y a une carte qui compte pour 2, ok. Ah, la tristesse! La défaite! C'est terrible. Eh bien, vous pouvez retenter votre chance. Oui, je veux retenter ma chance. Le comte Gaumont, oui. Son père a perdu. Oui, j'ai dit oui. Allons-y. J'ai dit oui. Oh, je suis pas raisonnable, je fais une vidéo super longue. Alors rassurez-vous, on fera autre chose après le Gwent. Bon, par contre, faut que je gagne, parce que sinon, je pense que ça va durer un petit moment. Ça, ok. Ah, parfait. La chirurgienne. Celle que je voulais désespérément avoir dans mon deck. Ma chance, je pense que c'est pas trop mal, j'ai quand même pas mal de cartes qui donnent des points. Parce que les cartes spéciales, c'est bien joli, mais parfois, ça... Bah, ça vous sert pas tout le temps, en fait. C'est quand même bien d'avoir de la puissance à mettre sur le terrain. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je balance? Je vais pas tout de suite balancer mon trébuchet. Je vais peut-être attendre un petit peu. Alors, ça m'arrange que mon adversaire joue sur la première ligne, parce que ça veut dire qu'il va peut-être pas balancer de froid mordant. Donc qui neutraliserait toutes mes troupes en première ligne. Alors attention cependant à la terre brûlée, sauf que si tu joues ta terre brûlée dès le premier tour, ça m'arrange finalement. Moi je vais jouer Vernon Roche. Alors c'est vrai qu'une carte d'espion, ça m'aurait bien arrangé aussi quand même. Ah, ça joue les cartes héroïques, hein. Alors c'est vrai que l'inconvénient que j'ai, c'est que j'ai pas de carte sonnerie de la charge. Ça pourra peut-être me porter préjudice par la suite. Allez, Sin, qui en version originale s'appelle Vess. Version originale, version anglaise en tout cas. Parce qu'en polonais, je ne sais pas comment elle s'appelle. D'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que je vais lâcher l'affaire, hein, pour la première manche. Pour la petite histoire, en ce qui concerne Jasquier, la version française... à garder le nom par rapport à la version polonaise, qui est donc la vraie version originale, hein, vu que l'auteur des livres Sorceleur est polonais. En anglais, il ne s'appelle pas du tout Jasky, il s'appelle Dandelion. Je sais pas comment on dit à la française Dandelion, je sais pas, mais ça m'a l'air moche quand même. Bref, en version anglaise, c'est Dandelion. Je pense que cette personne a quand même un jeu qui est très costaud pour moi. Ça m'a l'air un petit peu chaud là quand même. Quoique. Il y a peut-être moyen. J'aurais peut-être dû garder cette technique là pour la dernière manche. Parce que c'est pour jouer une carte immédiatement là que je ressuscite la carte en question. Bon bah tant pis, hein, ça me permet d'assurer un petit peu ma victoire dans cette manche. Et bah j'aurais même pas besoin d'utiliser le pouvoir spécial de ma carte de chef. Alors, est-ce que ça va passer cette fois-ci ?
Une carte espion, ce serait pas mal pour la pioche. Non, une baliste. Bon, c'est toujours mieux que rien parce que là, du coup, elle vaut 12 au lieu de valoir 6. Donc, je vais jouer Régis. Alors, mon adversaire n'a plus que 3 cartes. Guérisseuse qui fait... Toujours à ressusciter tes potes, hein, c'est dingue. On balance la baliste. Et donc, la carte la plus puissante... Le nombre de guérisseuses qu'a mon adversaire, c'est affolant, quoi. Bon, pour l'instant, ça va, pas de terre brûlée en vue. Donc, je joue Keramès. Temps dégagé, c'est bon, j'ai gagné. Bon, allez, je vais pas non plus jouer toutes mes cartes. 16-12, mon adversaire a passé. Mon adversaire ne peut plus jouer. Donc, c'est pas la peine de balancer toutes les cartes que j'ai. On va gagner du temps, j'ai gagné le match. Ouais. Et cette vidéo va officiellement durer plus d'une heure parce que, en comptant la séquence moment mémorable. Une autre partie ? Quand Dame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Allez, la dernière. Sir Marius Flora. Il gagne toujours grâce à son amulette en os de zeugle. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Allons-y. Alors, sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est sauvegarder. Continuer la quête pour vous et après revenir à la sauvegarde pour faire la partie de Gwent, les parties de Gwent pour moi. Mais bon, si vous aimez le Gwent, tant mieux pour vous, puis de toute façon c'est en bonus. Maintenant c'est trop tard, cette vidéo est déjà trop longue. Donc j'irai jusqu'au bout de la quête. Jusqu'au bout de la quête. Bon, ah parfait, j'ai Dijkstra. Oh bah purée, ouh là là, ouh, c'est du lourd. Est-ce que j'y vais avec. Oh, est-ce que j'y vais avec ça? Oh, rien à faire, j'y vais avec ça. J'ai jamais eu un deck pareil. Alors là, j'espère que t'as des terres brûlées dans ton jeu parce que ça va faire mal. Un épouvanteur, très bien. Eh bien moi, je joue le commando d'Estrie Bleue en mode attaque. Ouais, ça c'est la particularité des monstres. C'est qu'ils peuvent appeler leurs copains. Je vais t'obliger un petit peu à jouer, tiens, moi. Vas-y, joue encore quelques cartes. Vas-y, joue toutes tes cartes. Double la force de vos unités. D'accord, très bien, j'ai compris. J'ai compris, cette manche est d'ores et déjà perdue pour moi. Donc, je joue la carte espion, de toute façon. J'ai déjà perdu, c'est pas grave si j'ajoute des points à mon adversaire. Ah mais c'est que tu veux encore jouer, mais vas-y, joue, y a pas de problème, joue tes cartes. Tiens, je vais même te forcer à jouer un petit peu de tes cartes. Quoique, c'est peut-être un piège. Peut-être qu'il veut m'inciter à jouer mes propres cartes. Donc non, je ne tomberai pas dans ton piège. Je garde mes 9 cartes. Purée, 60 à 16. Bon, j'espère qu'il a plus de cartes qui permettent d'invoquer d'autres cartes. Parce que la particularité des cartes qui font appel à d'autres cartes du même type, c'est qu'elles font appel à d'autres cartes du même type, que ce soit dans la main ou dans la pioche. Et en particulier, c'est intéressant quand les cartes sont dans la pioche. Donc il suffit d'avoir une carte sur tout le groupe dans la main, et c'est bon, vous pouvez dégommer votre adversaire. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je balance mes unités de siège, ou est-ce que je les garde pour le grand final? Allez, je vais tenter d'y aller avec mes archers. Mais évidemment... Ah bah c'est nickel, ça va passer avec mes deux chasseurs de dragons. Et avec, bien sûr, Sheila de Tankerville qui va me permettre d'achever tout ce petit monde. Parfait. Alors là, attendez. Alors, 6 x 4, 24, plus 8, 32, 64 points. Parce que ma carte de chef peut doubler la force de ces cartes-là. Normalement, la partie-là, je la gagne. D'autant plus que je vais piocher une carte. Vu que j'ai gagné la manche. Alors, faudra faire gaffe à pas se prendre une carte terre brûlée dans la face. Et c'est parfait, en fait. C'est parfait. Parce que je balance la catapulte. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours la carte la plus forte sur le terrain. Enfin, en tout cas, de mon côté. Donc, si je me prends une terre brûlée dans la face, la seule carte qui pourra être détruite de mon côté, c'est celle-là. Donc, on va jouer petit. Pour l'instant, on va laisser l'adversaire espérer. Là, par contre... Même si tu t'arrêtes avant... Non, c'est bon, c'est bon. C'est parfait même. C'est parfait.
C'est même encore plus parfait parce que là, ma carte, si elle dégageait, je la joue quand je veux. Donc là, c'est nickel. Je laisse mon adversaire jouer. Je joue moi aussi une autre baliste que le roi Foltest aimait bien. Là, je parle bien sûr du début du premier jeu. Un trébuchet. Oh mon dieu, je n'ai pas assez de puissance pour rivaliser avec toi. Terre brûlée. Tu t'es pas... du coup, c'est Régis qui est passé. C'est terrible. C'est encore à moi de jouer, n'est-ce pas? J'utilise ma carte chef. Voilà. Et ciel dégagé. Allez, bam! 64 points dans ta face, j'ai gagné. Victoire écrasante. Quoique, la première manche, c'était encore plus écrasant que là. Mais, j'ai gagné la partie. Bravo. La charmante dame vous porte bonheur, monsieur. Gardez-la précieusement, ne la lâchez pas. Merci, mon ami, je prends votre conseil. Enfin, je prends bonne note de votre conseil. Allez, viens, Triss. On va poursuivre notre quête. Qui a été mise en pause pendant un certain temps à cause de ces parties de Gwent. En plus, la dame nous attend, la comtesse. C'est la comtesse? Je sais plus. Bref. Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de truites. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en privé. Oui, naturellement. On joue aux cartes? Non, pardon. Je me tais. Merci d'avoir accepté de m'aider. Mon valet m'a prévenu que vous viendriez avec un ami. J'aurais préféré une plus grande discrétion, bien sûr, mais si vous lui faites confiance... Oui, une confiance aveugle. Oui, je pense qu'on peut demander si on a vu des chasseurs dans le coin. Les chasseurs ont fait de l'heure dernièrement? Non, pas depuis qu'ils ont attaqué mon valet au marché. Tout est calme. Cela dit, j'ai soudoyé un garde du temple, et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-ils appris l'intérêt de votre fils pour l'alchimie? Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses expériences. Il est parfois inconscient. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un Aracha, saviez-vous? Ah, au cours d'un voyage, sans doute. Même pas, il essayait d'en faire l'élevage. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif, enfin, jusqu'à récemment. Bah oui, avec les chasseurs de sorcières, forcément, c'est beaucoup plus dangereux l'alchimie. Allons chercher Albert. Où est-il? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... J'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, je ne serai pas là. Très bien. Est-il prêt à partir? Mais est-ce qu'il est au courant surtout? Votre fils est-il prêt à partir? Nous allons devoir faire vite. Oui, tout est prêt. Où comptez-vous l'emmener? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas. Je vous promets qu'il sera en sécurité. Mais... Faites-moi confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je sais. Merci. Comment va-t-on le reconnaître? Il porte un masque de panthère. Il vous attend et... Et je crois qu'il est même impatient. Il ne mesure pas la gravité de sa situation. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas particulièrement malin. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Geralt. On va aller le chercher. Très bien, j'attends de vos nouvelles. On parlait pas de toi, Atrice. Je pense que Geralt pensait à d'autres mages bien moins malins. On devrait chercher Albert. Oui, cherchons Albert, très bien. Il porte un masque de panthère. Rrr. Alors, la panthère. Cherchons la panthère. Tadam, 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 tadam. Oui, mais il n'est pas parmi les invités. Je vais être plus intelligent que pour le domestique. Je vais chercher un homme avec un masque de panthère bien entouré.
Ah, je pense que c'est... Et ensuite, une explosion colossale. Encore en retard pour le souper. Et alors ? Rien. J'ai plongé juste à temps, et je m'en suis tiré à bon compte avec quelques sourcils brûlés. L'alchimie est un passe-temps dangereux. Oui, il fanfaronne, il fait de l'alchimie, c'est lui. Oui ? Tout joli masque, on s'en fiche. Vous êtes Albert ? Albert Wegelbud ? Non. Menteur. Je suis une panthère noire. Ah ! Oh, monsieur le comte. Votre mère nous envoie, monsieur la panthère. Oh, donc vous êtes... Oui. Quand pouvons-nous quitter le domaine ? Eh bien, maman dit qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit sous. Et puis, le feu d'artifice devrait nous fournir une belle distraction. Dès que les premières fusées auront explosé, je m'éclipserai en douceur. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe végétal. Nous vous attendrons là-bas. Parfait. Mais avant toute chose, vous devez absolument goûter le Fiorano rosé. C'est une merveille. J'espère qu'Albert n'a pas oublié la raison de notre venue. Et si on allait l'attendre dans le jardin ? J'ai vu un joli petit coin tout à l'heure. Très bien, attendons. Attendons. Faisons ça, faisons plaisir à Triss encore une fois. Attendez, faut quand même que je sauvegarde parce que là, ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. Je risque d'avoir quelques problèmes. Enfin, si jamais on a une coupure d'électricité ou un truc comme ça, je pourrais me retrouver bien embêté. Oui, on s'assoit un moment, mais où es-tu, Triss ? Triss ? As-tu disparu ? Je t'ai entendu, mais je ne te vois pas. Ah, tu es là. Farceuse. Ravi de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça me change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour... Oui. Parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure ? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir ? Mais je me fiche de Moritz. Je m'en fiche de Moritz, sérieusement. J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. Oui, mais c'est toi qui organises la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. Ah, oh, donc soit on dit, bah, ils avaient personne d'autre, donc t'es un choix par défaut, soit on lui fait un compliment désintéressé ou un compliment intéressé. C'est grâce à ton charme naturel. Attention, Gérald, ça ressemble à un compliment. C'en est un. C'était le but. Ouh, tu n'essaierais pas de... Si. Quelqu'un vient. C'est Albert ? Non, juste un invité égaré. Il doit chercher sa fiancée. Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inchou inchou beag broga. Pas à pas, petite grenouille. Chut, allons-y. J'espère que les autres invités ne seront pas sous aussi vite que moi. Plutôt nous serons sortis, mieux ça vaudra. Oh non ! J'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres recoins. Il paraît que les statues sont complètement... Entièrement... Entièrement quoi ?
Ouais, toi t'es pompette surtout. Viens, Gérald. Triss, attends. Gérald, tu viens? Oh là là, et la mission? Enfin, on peut bien parler, on peut bien dire qu'on s'apprécie et tout, mais la mission, Triss. Enfin, la mission d'abord quand même. Enfin, je. Oh, et puis zut. Gérald. Oui, oui, c'est ça. Tu viens? Personne n'a remarqué notre départ. D'accord. Attention. C'est tellement romantique. Madame Merigold, enfin. Navré de vous rencontrer dans des circonstances aussi fâcheuses. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de discuter. J'aimerais vous montrer mes formules alchimiques et... Vous n'avez pas été suivi? Non, je ne crois pas. Échangez vos masques, c'est plus prudent. Nous allons passer devant. Gérald suivra. Des chevaux scellés nous attendent à l'écurie. Parfait. On se retrouve là-bas. Personne ne pourra le reconnaître. Il avait un masque de panthère, maintenant il a un masque de loup. Il a toujours le même pourpoint, mais ça va. Personne ne le reconnaîtra. Bon, sortons du labyrinthe. Oh là là, je me demande quel chemin il faut. Vous m'aviez promis de me montrer votre laboratoire. Allez, oh non. Vous voilà, mon chéri. Non, il y a erreur, c'est... non, mais... Voilà. Vous deviez me montrer quelque chose, je crois. Hors d'autres circonstances, je vous montrerai tout avec grand plaisir, madame. Oh, pardonnez-moi. Mais sérieusement, il avait les cheveux blancs pour point noir, c'était pas lui, quoi. Albert Wegelbood. Reculez, mademoiselle. Non, mais ils sont tous bêtes, hein. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. J'en doute. Allez, petit combat, la panthère contre... Amène-toi. Les médecins de la peste. Oh. Ah, des chasseurs de sorcières en plus. Oh, on se calme. 3 contre 1. Très bien, très bien. C'est vous qui l'avez voulu. Moi aussi, je suis pompette. L'excuse. Même pas vrai. Gérald n'a même pas bu. Ouh, le coup de genou. Ah mince. Ah. Bah, je devrais pas attaquer. Un peu trop. Il a brisé ma garde. Bien joué. Hop là, le petit coup de poing. J'ai réussi à m'isoler un. Parfait. Voilà, parfait. Voilà. Plus qu'un. Bon, fini de jouer. Hop là, victoire de la panthère. Nous pouvons partir. Attendez, c'est le feu d'artifice. Ouais, c'est le feu d'artifice qu'on entend depuis tout à l'heure. Ah, c'est beau. Oh, avec la lune et tout. Ah, ça manque un tout petit peu de couleur, par contre. C'est dommage. Ah mince, la sortie, c'est pas là. J'arrive à me perdre, même quand le chemin est indiqué. C'est pas grave. On s'en sort. Retrouver Triss et Albert aux écuries. Ok. Les écuries.
Ce sera donc la fin de la quête. Et de cette longue vidéo. Ah non, pas tout à fait, il y aura la séquence moment mémorable. Je commençais à m'inquiéter. J'ai eu un petit contretemps. Des chasseurs ? Ils vous ont suivi ? Non, nous avons un peu de temps devant nous. Mais votre jardin a souffert, j'en ai peur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dépêchez-vous. Tout est prêt ? Oui, j'ai récupéré tes épées et Ingrid m'a donné l'argent. C'est une grosse somme. Une très grosse somme, même. J'ai du mal à estimer les conséquences de chacune des réponses. Content d'avoir rendu service. Ah oui, oui, ça veut dire ok, je te laisse planter là, ou alors ok, je viens avec toi. Parfait. Bon, où allons-nous ? Toi, tu ne vas nulle part. Ce qui s'est passé à la fontaine, nous n'aurions pas dû. C'est de ma faute, je sais. Le vin m'est monté à la tête. Je suis désolée. Rhys, tu n'as pas à t'excuser. Dame Merigold. Nous devons partir. Je sais. Sois prudente. Et voilà, c'est donc la fin de cette quête. Ça nous aura pris presque une heure et quart pour la faire. Bon, pas tout à fait, on n'a pas commencé la quête dès le début de la vidéo. Mais bon, voilà, du coup, je me suis un petit peu laissé entraîner là-dedans, mais c'est pas grave. Hein, après tout, c'est fait pour ça, Wreckers Ground. Hein, c'est qu'une fois par mois, on a l'occasion de faire un petit peu autre chose. Et aussi, on m'avait demandé plusieurs fois si j'allais faire un let's play sur Witcher 3, mais vu que c'est un gros jeu avec tout ce qu'il y a à faire, hein, toutes les quêtes secondaires, les contrats et tout ça, c'est très ambitieux et comme j'ai déjà pas mal de boulot sur la chaîne c'était un peu compliqué de me lancer dans un projet aussi conséquent. Donc je pense qu'une vidéo de plus d'une heure sur une petite quête secondaire de Witcher 3, enfin une petite quête, c'est quand même un juste retour des choses, étant donné que j'ai pas l'intention de me lancer dans un projet aussi ambitieux. Et bien voilà, c'est donc tout pour cette séquence gameplay, et c'était déjà pas mal, avec donc Witcher 3 et donc l'illustre Geralt de Rive accompagné de la charmante Triss Merigold. C'est pas tout à fait fini pour cet épisode, il reste bien sûr la séquence moment mémorable qui sera par la suite disponible toute seule dans une vidéo à part. Donc je vous quitte, alors pour poser vos questions, vous pouvez les poser bien sûr en commentaire de la vidéo, vous pouvez me les poser sur Twitter et sur Facebook. Donc je les retrouve plus facilement lorsqu'elles sont en commentaire de cette vidéo, mais bon, les autres, c'est bon, il suffit que je les note. En fait, c'est de ma faute si j'ai pas retrouvé le nom de la personne qui m'avait posé une des questions. Je n'ai pas noté la question tout de suite, donc c'est une habitude à prendre quand même. Mon cher Kev, donc il va falloir faire un petit effort. Si vous voulez utiliser un hashtag, on va utiliser toujours Wreckers Ground, mais bon, sans apostrophe, sinon ça vous casse le hashtag, ça fait un hashtag Wrecker, c'est pas bon. Peut-être que je vais changer de hashtag, effectivement, si les gens ont tendance à mettre un apostrophe. Bref, peu importe. Donc, on se quitte, on se retrouve tout de suite pour la séquence moment mémorable, pour ceux qui restent, bien sûr, et pour ceux qui seront au rendez-vous pour le prochain épisode de Wreckers Ground, on se retrouve donc le 31 mars. Salut tout le monde, à la prochaine! Je vais faire une promo pour provoquer mon prochain rival dès maintenant, comme ça je suis sûr qu'elle va se finir à Battleground et je serai tranquille du coup pour ne pas avoir de rivalité pour le mois de Money in the Bank. À moins qu'elle m'encourage, elle tape dans ses mains en faisant « Allez Kev !» Enfin, elle a une voix un petit peu plus grave. « Allez Kev, hop là, oh, hey !»
I can see you, and you can't see me. Ma superstar est buggée. Alors là, je peux plus. Je suis coincé. Je suis totalement coincé. Au secours. J'arrive plus à partir du coin. Je voulais faire une provoque pour qu'il se relève. Il s'est relevé. Mais je suis dodo. Je suis totalement coincé. Ah voilà, je suis décoincé. Et il fait la provoque à retardement, mais c'est pas possible. Attention. Le plus haut possible. Voilà. T'es prêt, Marcus? Oh, la vue est belle quand même. Attention. 3, 2, 1, yo. Ça passe. Oh la vache. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu un chemin. Semaine 4. Oh. Money in the Bank, c'est au mois de juin. Résultat, voilà. En plus, il y a du beau monde. Il y a John Cena, Seth Rollins, Dean Ambrose, Roman Reigns, Cesaro et Bray Wyatt. Bah, je n'ai que ce que je mérite. Je me suis trompé, je paye. Je la paye un petit peu cher, mon erreur, quand même. Ouh là là, il y a beaucoup de monde pour contester le ballon, là, justement. Oh là là. Non, mais poussez pas, le poussez pas vers nos cages. Le poussez pas vers notre cage, malheureux. Mais c'était n'importe quoi. Non, mais les deux coéquipiers ont fait n'importe quoi. C'était la panique, c'est pas grave, c'était la panique. Il y a quelques hostilités qui vont être réactivées, et pour la première fois dans toute l'histoire de Record Wrestling, nous avons fait un show qui a été noté 70%. Nouveau record. Alors ça, c'est beau. Bravo, messieurs, mesdames, bravo et merci. On l'a fait. Magnifique, on l'a fait. Alors, mois de juillet, alors cette fois-ci, pas de doute, on aura bien Battleground à la fin du mois de juillet. Et en août, ce sera SummerSlam. En septembre, ce sera Night of Champions. En octobre, ce sera Hell in a Cell. En novembre, ce sera Survivor Series. En décembre, ce sera TLC. Voilà. Janvier, Royal Rumble. Février, Fastlane. Mars, WrestleMania. Avril, Extreme Rules. Mai, Payback, etc., etc. Bon. Vous voyez que je connais les pay-per-views. J'avais juste inversé Battleground et Money in the Bank. Il est sorti du poulailler, hein, hein. Il était bizarre, votre dialogue. Avec des physiques pareilles, vous n'êtes pas réel. C'est pas... Ok. Remarquez, on double les places. Oh là, oui, d'accord, ils étaient là, les autres, qui parlaient. Ok, ok, je vois. Ah ouais, d'accord. Deux pièces en une, c'est pratique. Ah oui, je me disais, mais d'où viennent ces voix? Ok, tout va bien. Oui, vas-y, mange, et après tu mangeras un hamburger. Donc on est toujours mariés à... Faith, oui, j'ai eu peur de me planter. J'ai pas osé... J'avoue que j'ai pas osé lâcher un prénom au hasard. Hey! Quoi? Bonjour Xavier, il n'y a pas quelque chose qui vous manque? Votre instrument favori vient d'être volé. Vous voilà sans guitare acoustique. Haha! Je suis désolé, mais je ne vous pardonnerai jamais de ne pas m'avoir demandé d'emménager après tout ce que j'ai fait pour vous. Maintenant on est quitte. Bonne chance avec les autres instruments. Mais quel monstre! Vous savez, ça me surprend vraiment que ce type en particulier m'en veuille. J'étais inquiet pour lui la première fois qu'on s'est rencontrés. J'ai même essayé de l'aider. La première fois que je l'ai vu, je lui ai parlé du truc dégueulasse qui lui poussait sur le cou. Et puis, j'ai réalisé que c'était sa tête. Oh, celle-là... Oh, celle-là, elle est méchante.
Ah mais quel pourri. Oh ouais, c'est bon, elle prend des dégâts, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Oh, elle a un cœur, c'est mignon. Mais elle est morte. Voilà. Ah non, ça c'est encore plus flippant. Non mais, la porte, ils auraient pu la placer à un autre endroit quand même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voix des grenouilles. Bon, voilà. Les grenouilles, donc. Genre, on pouvait pas faire plus glauque que ça. Non seulement, déjà, c'est flippant, mais il y a genre un panneau qui t'indique « Hey, voix des grenouilles !» Ça rime avec... Je suis un face. Allez hop, voilà. Shooting Star Press. Bon, c'est vrai que... Bah, et oh, le monsieur en rouge, là. Oh. Bah, vous êtes fan de Cesaro, vous devriez aimer ce que je fais, quand même. Écoute-moi bien, espèce de déchet. Je suis pote avec Cesaro, ok? Non, mais... N'importe quoi. Bon, un peu de sérieux. J'ai insulté un fan, ouais, je suis... Le mec, je suis face. Espèce de déchet. Oui, je sais que t'es un fan, ferme ta bouche. Il y a des accrochages. Bon, en même temps, c'est assez inévitable. Tout est si serré. Oh, 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 oh. Quintuple dépassement. Et je fais n'importe quoi derrière. Oh non, mais j'en perds 3 places derrière. Oh, c'était épique. J'ai gagné 5 places d'un coup. Quintuple dépassement, c'est historique. Allez, Baron. Tape. Accepte ta défaite. Accepte ton destin. Ah, ça fait du bien. Jason Jordan contre Dustin Beaver et Ryan Genesis contre Alex Silva. Alex Silva qui a pas été content du tout, du tout, du tout après sa défaite contre Ryan Genesis. C'est ce match-là que je voulais faire dans ce show, c'est vrai. Il n'y a pas eu de match entre Genesis et... Je me disais aussi... Bon... Oubliez... Le mec... Oui, le match a eu lieu. Ah bah non, en fait. Ouh, j'ai touché le ballon. Non, je peux le geler. Ah non, 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 non. Ah bah 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 bah. Oui. Oh là là, j'espère qu'ils ne vont pas appeler de renfort. Ça me ferait plus de gens à tuer. Bonjour. Raté. Ouais, bon. Alors après, la subtilité, c'est bien aussi. On est comme le chocolat et le beurre de cacahuète. Je vais te parler franchement. Quoique je suis assez fier pour cet homme-là, pour se croiser, je l'ai appelé Jericho parce qu'il a une attaque. Accusation zélée, où il montre un papier. Et je suis désolé, mais... Quand même, ça fait vraiment penser à « You just made the list !» Allez, le combo. Brainbuster plus Frog Splash. Vas-y, fais-le tomber. Voilà, comme ça je tape Seth et c'est gratuit. Mais l'arbitre, dépêche-toi enfin. Alors très important, je ne vais pas faire continuer rivalité parce que la rivalité est à 7-7. Je ne veux pas faire avancer le score. Non, 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 non. Stop, stop, stop. Vous vous dites peut-être, mais non Kev, le score de cette rivalité n'est pas de 7-7, il est de 4-2 pour Paige Brown. Et vous avez parfaitement raison si c'est le cas. Mais, comment dire, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pensez que je vais corriger mon erreur derrière ? Est-ce que vous pensez que je vais bien penser à dire que le match est fait pour continuer la rivalité et non pas la finir? Et enfin, je finirai sur cette question. Est-ce que vous sentez que je vais faire une bêtise? Alors là, c'est... Disons que ce match a eu des effets que je n'avais même pas soupçonnés. Alors, le match est super, hein, franchement. 87% de qualité, c'est... Pouh! C'est cataclysmique, je m'attendais pas à une si grosse qualité de ça, que ça dès ce match-là, quoi. Parce que c'est même pas la fin de la rivalité en plus. Oh
puis on a quand même des paysages magnifiques. Hein. Et attention au grand saut. Oh là là, il est beau ce saut, il est beau. Sacré atterrissage, effectivement. Alors ça, c'est une course de difficulté moyenne. Hein. J'ose pas imaginer ce qu'est une course de difficulté difficile. Une course de difficulté difficile. Oui, bon, vous avez compris. Il y a toujours un bug avec les chaises, hein, c'est dingue. Oh purée, comment il m'a... Oh là là. John Cena qui a servi de distraction pour aider Cesaro. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qui est... Mais c'est pas légal? Monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre? Si c'était un concours de beauté, il gagnerait sans problème. Mais ce n'en est pas un. Et encore, c'est pas vrai. Hein. C'est un match de catch. Personne n'a mes capacités techniques. Et c'est pour ça que je gagnerai. Sans aucun doute possible. Non, faut pas exagérer. Concours de beauté, c'est moi qui le gagne. Non mais attends. Oh. Faut pas exagérer. Je suis beau, non? Hein, René? Dis-moi que je suis beau. Et voilà. À vous, Cole. Et c'est vrai qu'il est très beau. Aucune idée. Il y avait personne, il y avait pas de musique, il y avait rien. Ça aurait pu être n'importe qui, même Fantomas. Genre, je me serais retourné. Oh mon dieu, c'est Fantomas! Eh oui, c'est bien moi. Fantomas. En tout cas, il se serait bien marré. Nous y sommes. C'est pas très éclairé. Ce qui ajoute un petit peu de tension. Ce qui renforce l'ambiance démoniaque. Et voici la porte 666. Parfait. Test concluant, la souris de laboratoire prénommée Alice a réussi les épreuves. Youpi!